Shavua tov v'shem Hashem na'ase v'natzliach shenizkeh la'agdil Torah la'adira b'tachlit shelirat shamayim. Après ce bon Shabbat, des soudot de rêve, Baruch Hashem, une ambiance de Torah, des chants de feu, Toda la'el. On est ce soir, le samedi soir, 5 du mois de juin, et le Kaf Vav, puisqu'on est déjà le soir du mois de Sivan. Je rappelle brièvement dès maintenant que jeudi et vendredi prochain qui arrivent, alenu letova v'livracha, on sera Rosh Chodesh Tamouz. Et on parlera ce soir, bien entendu, Ségoula, pour plus d'Emouna, accompagné par le Baal Shem Tov, une histoire du Baal Shem Tov, Rabbi Israël Ben Eliezer, Vessara, Srutam, Tegen al Kolam Israël, Ezrat Hashem. Et comme vous le savez, a dit le Baal Shem Tov avant de quitter ce monde, tout celui qui racontera un récit de ma vie, je lui promets que du ciel, je le bénirai pour qu'il ait une Shavua remplie de Shefa, une grosse Parnassa, et tout ce qu'il dérise, tout ce qu'il désire, Ezrat Hashem. Sans plus tarder, on est ce soir donc avec Avi Kouao qui a acheté ce shiur. Donc d'abord que le mérite du Baal Shem Tov le bénisse lui. Et il a acheté pour la réussite des institutions de O.L. Moshe et du Rav David Twitou. Toda Rabba, Skel Mizvot Masim Tovim. Que Dieu te le rende, Alef Kiflaim. C'est très gentil de penser aussi à nous. Vous êtes aussi nombreux à vouloir nous offrir des shiurim. Aval Mekabel Be'ahava, surtout quand il s'agit du Baal Shem Tov, Yiratson, que par son mérite on construise vite ce binyan. Encore deux signatures sur le dossier et on pourra commencer Be'ezrat Hashem. Tout avance très très bien, doucement, mais en tout cas sûrement. C'est une question de procédure, on ne peut rien y faire et on ne peut rien faire de plus. C'est une question de procédure à la mairie, une question de temps. Je rappelle en même temps, avant de commencer cette très belle histoire du Baal Shem Tov, que ce soir c'est l'Aïloula d'un des plus grands Tana de l'histoire, puisque Hillel HaZaken a eu 80 élèves prestigieux, dont le plus grand de tous était Rabbi Yonatan Ben Uziel, celui de qui on dit que si un oiseau avait le malheur de passer au-dessus de sa tête quand il étudiait la Torah, il brûlait. Pour nous enseigner que l'oiseau, ce n'est pas vraiment un oiseau, on parle de la pensée du Yetzer Hara, il était d'un tel niveau de Kiddusha qu'il ne fautait ni par la pensée, ni par la parole, ni par l'action, et que si le malheureux Yetzer Hara avait l'idée de passer au-dessus de lui, il le brûlait directement sur place. C'était Rabbi Yonatan Ben Uziel. Et son plus petit élève sur les 80 n'était autre que Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc on peut imaginer qui était Hillel HaZaken alav shalom. Grande mitzvah d'allumer ce soir une bougie à l'huile d'olive en l'honneur de Rabbi Yonatan ben Uziel. Ségoula pour marier vos enfants derech agav. Rabbi Yonatan ben Uziel est le personnage qui est relié au zivug Be'ezrat Hashem du peuple d'Israël. Zchuto yegen al kulchem. Et la reine, je vous souhaite à toutes les filles d'Israël et les garçons d'Israël de vous retrouver. Be'ezrat Hashem. Pour un mariage, chez Alchem Zivogagun, Brio Tetana, et Tiskou la Ekim Bait Neman, Beisrael Kedat Moshe, Beisrael Echem Tovim, Shalom Bakom, Nikol Kol, Vechen Yehiratson, Venomar, Amen. Alors l'histoire se passe justement un vendredi soir où le Baal Shem Tov était avec ses élèves à la Bet Knesset. Et puis voilà que, alors qu'il recevait le Shabbat, le Baal Shem Tov était très souriant, comme à son habitude, et puis très agréable. Il chantait en l'honneur du Shabbat, le Lecha Dodi. Puis voilà, arrivé à la maison avec ses élèves, le Baal Shem Tov d'un coup se mit à sourire. Et son sourire a commencé vraiment à intriguer ses élèves car il ne l'a pas lâché la soirée. Le Baal Shem Tov était des fois pensif, des fois réactif, des fois concentré sur un sujet précis. Mais là, il était comme ailleurs, en train de voir des choses qui ont beaucoup intrigué ses élèves, puisque son sourire ne cessait de s'agrandir et s'agrandir et s'agrandir. Et quand les élèves ont demandé au Baal Shem Tov, ma pshar advarim, ma koré, pourquoi est-ce que vous êtes si souriant d'Afka ce soir? Eh bien, le Baal Shem Tov a répondu aussi avec un sourire et il s'est mis à rire. Motzé Shabbat est arrivé et les élèves, après l'Avdala, ont demandé à leur Rav, Rabbi Israël Ben Eliezer, le Baal Shem Tov, s'ils pouvaient peut-être savoir ce qu'avait vu Baruch HaKodesh, leur maître. Et en guise de réponse, le Baal Shem Tov a demandé de se préparer pour un voyage. Et les élèves sont rentrés dans le carrosse, ce fameux très grand carrosse du Baal Shem Tov, où se trouvait là-bas un Sefer Torah. Et ils ont commencé à voyager pour une très 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 longue distance, jusqu'à être arrivés dans une bourgade juive. Et dès qu'ils sont arrivés là-bas, après quelques temps, donc à peu près 1000 km qu'ils ont parcouru en l'espace de simplement un quart d'heure, 20 minutes, car ils avaient le kitzour derer, le Baal Shem Tov s'est dirigé vers la maison de Rabbi Shabtai Veishto. L'histoire est devant moi, donc je ne me rappelais pas du nom. Rabbi Shabtai. Arrivé devant la porte, il a tapé à la porte de Rabbi Shabtai qui lui a ouvert la porte, très étonné de voir le maître de
tout le peuple d'Israël, Baal Shem Tov, devant lui, et il lui demanda de bien vouloir l'accueillir avec ses élèves. Bien entendu, il l'accueillit comme il le pouvait, et avec tout son cœur, il les a installés comme ça, et il leur a dit, « Mazachiti, qu'est-ce qui me donne un tel honneur de recevoir le Baal Shem Tov avec tous ses élèves dans ma demeure? C'est un grand sroud que vous me donnez. » Et le Baal Shem Tov lui dit, « Tu sais pourquoi on a fait un si long voyage avec mes élèves ? Parce que je voudrais que tu leur racontes ce qui s'est passé hier soir, avant que Shabbat ne rentre, et puis surtout quand Shabbat est rentré. » À ce moment-là, Rabbi Shabtai regarde le Baal Shem Tov, il dit, « Mais Vodarav, c'est rien passé de spécial, moi je suis quelqu'un de très simple, je ne suis pas un Talmid Racham en Torah, je ne suis pas très fort en Talmud, je ne vois pas pourquoi vous êtes déplacé jusqu'à moi, très gêné. » Il dit, « Fais-moi confiance, raconte ton histoire. » Alors il dit comme ça, en regardant les élèves, « Voilà, moi je suis, je travaille un petit peu dans les bijoux fantaisie, dans ce que je peux travailler avec mes mains, et aujourd'hui je suis assez âgé. Et c'est vrai que depuis un certain temps, je n'ai pas beaucoup de travail, et je travaille au jour le jour quand j'ai travaillé un petit peu d'argent. Alors je prends cet argent et j'achète à manger. » Mais c'est vrai que la journée de jeudi et de vendredi, étant très très fatigué, j'ai pas pu aller travailler. Et de toute façon, j'avais pas trouvé de travail. Et donc, j'ai prévenu ma femme en lui disant, écoute, pour Shabbat, ça va être très compliqué, parce que je n'ai même pas de quoi t'acheter un peu d'huile pour allumer les bougies de Shabbat Kodesh. Alors imagine, pour la farine du pain, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de... Rien. Je n'ai rien dans les poches. Alors, j'ai prévenu ma femme, et puis voyant que le vendredi était déjà le matin, et puis déjà midi, j'ai essayé de voir si je pouvais trouver quelque chose, et je n'ai rien trouvé. Alors j'ai dit, Baruch Hashem, apparemment, Dieu il veut qu'on fasse un Shabbat sans rien à la maison. Alors j'ai dit à ma femme, remplis-toi, Bezrat Hashem, de bitachon, parce que ce que je vais te demander va être encore plus dur, je ne veux surtout d'aide de personne. Il faut qu'on quitte ce degré d'émouna pour entrer dans le bitachon Bashem. Si Dieu veut qu'on ait rien, je ne veux rien. Donc, je t'en supplie, ne demande aucune aide et ne reçois aucune aide. Je n'en veux pas. On doit être ma'aminim Bashem et recevoir ce que Dieu y veut. Si Dieu y veut pas, je ne veux pas d'ishtadlout. Je veux pas de ça, lui a dit son mari. C'est mon droit. Les élèves écoutent comme ça stupéfaits. Pourquoi pas donner le mérite à quelqu'un de t'offrir un Shabbat, Mayesh? Non, Rabbi Shabtai leur dit non, je ne veux pas vivre de la dépendance des autres. Je préfère ne rien manger que de manger quelque chose qui vient des autres. Le rotze, c'est mon droit, c'est mon choix. Alors j'avais demandé à ma femme de ne taper à aucune porte. Et combien même si quelqu'un s'était rendu compte que notre fumée de la cheminée ne montait pas parce qu'on n'avait même pas de pain à faire cuire, eh bien qu'elle ne l'accepte pas. Et puis voilà que, n'ayant aucune solution, n'ayant pas trouvé un job, au moins de quoi gagner une pièce, j'ai remercié ma femme en lui demandant de vraiment agir en conséquence, de m'écouter, et puis je suis parti à la Beit HaKnesset étudier la Torah, 3-4 heures avant l'entrée de Shabbat. Et puis, mon épouse a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, afin de ne pas laisser la situation telle qu'elle et obéissant à ce que je lui avais demandé, puisque elle-même avait plus d'émoudins que moi. Elle a dit, mon mari a raison, je ne demanderai rien à personne. Et elle est vite montée dans la chambre pour voir si elle avait peut-être des vieilles habits, des vieux habits à vendre. Peut-être qu'elle pourrait trouver quelqu'un qui serait intéressé, mais en regardant les uns après les autres ces habits, elle s'est rendue compte qu'ils n'avaient absolument aucune valeur et que la plupart étaient déchirés et sans vraiment possibilité d'être vendus, même à quelqu'un qui n'avait pas de moyens. Jusqu'au moment où elle s'est arrêtée sur une robe, une très vieille robe à elle, et elle a observé que les motifs qui étaient brodés sur cette robe étaient en argent. Alors, ma femme s'est empressée, 2 heures avant l'entrée de Shabbat, de courir chez le bijoutier et de lui demander s'il était intéressé de récupérer l'argent brodé sur ma robe. Il a estimé que ça valait un beau petit billet. Il m'a pris la robe et il m'a donné de l'argent. Et ce qu'a fait ma femme, c'est qu'elle est partie acheter tout de suite le pain, le poisson, la viande, et en une heure de temps, elle a préparé un Shabbat de rêve. Elle avait même acheté une nappe brodée rapidement pour honorer ce Shabbat qui devait être si pauvre et qui est devenu d'un coup si riche. Seulement voilà, il explique comme ça et il dit, Rabbi Shabtai, il raconte et il dit que quand il est revenu de la Beit HaKnesset,
Il a vraiment pris son temps pour rentrer parce qu'il n'était pas du tout intéressé à rentrer trop vite, puisque rien ne l'attendait. Si ce n'est que sa femme, qui devait certainement être assise sur une chaise plus ou moins potable, et qui n'avait rien à partager avec elle, si ce n'est qu'un sourire et lui dire Shabbat Shalom. Seulement voilà qu'en arrivant près de la maison, Rabbi Shabtai raconte qu'il s'arrêtait net, stupéfait, et qu'il a vu à travers les fenêtres de très belles bougies briller avec de l'huile à l'intérieur. Et là, il a répondu, Rabbi Shabtai, j'étais très en colère. Ma femme ne m'a pas écouté. Elle a quand même accepté de l'aide. Elle ne m'a pas écouté. J'ai baissé la tête parce que c'était Shabbat Shalom. Et je me suis travaillé. Travaillé mes midot de ne pas me mettre en colère, de ne pas lui faire de réflexion. Je suis rentré et comme le veut la Torah, j'ai travaillé mes midot et je lui ai dit Shabbat Shalom, ma femme. Mais mon regard a été encore plus surpris quand, en me tournant vers la salle à manger, j'ai vu une table de roi. Des salades, du poisson. Et en observant du côté de la cuisine, je vois des plats de viande. Et là, la colère me montait jusqu'au cerveau. Comment, ma femme, tu as pu me faire une chose pareille? Comment? L'appétit, alors que j'avais faim, m'est complètement passé et je ne savais plus comment réagir. Mais je me suis rappelé, c'est Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, on ne travaille pas pour soi, on doit se mettre de côté pour honorer le Shabbat. Et en l'honneur du Shabbat, j'ai remercié ma femme pour cette très belle table. Et j'ai presque voulu refuser de boire du vin, mais je lui ai tendu, prétextant que je n'avais pas la force. Elle m'a dit, mais tu peux le boire, fais ma confiance. Pour le shalom, j'ai bu de ce vin avec les boules, comme on dit. J'étais très mal. Je l'avais en travers de la gorge, mais je l'ai bu. Je l'ai bu parce que ma femme me l'a demandé avec le sourire, et il n'y a pas plus important que le shalom. Et puis voilà que quand j'ai commencé à manger le poisson, elle préparait déjà la viande, on a fait quelques champs entre eux, et je la regardais, j'avais envie de lui parler, j'avais envie d'exploser, j'avais envie de lui dire, mais j'ai pas envie de manger de ton plat, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mais non, c'est Shabbat. Alors je suis resté calme et j'ai travaillé mes midot, et j'ai mangé le poisson. Après le Birkat Amazon, mon épouse me dit, hey, là, il y a une surprise. Je dis, quelle surprise? Il y a une mitzvah de manger des pommes le Shabbat, alors je t'ai préparé ce que tu as le plus envie de manger, une tarte aux pommes. Et là, je regarde, je dis, tu t'es même arrangé pour avoir de la tarte aux pommes à l'honneur du Shabbat? Oui, pour honorer le Shabbat, j'ai eu le temps de préparer une tarte aux pommes. Peut-être qu'elle ne sera pas assez cuite, mais en tout cas, elle a l'air bonne. Elle m'en a servi une part, et j'ai commencé à la manger. Je l'ai mangée, mais là, j'en pouvais plus. Alors, je lui ai proposé de passer dans le petit salon qu'on avait, qui était un peu plus pauvre. Et je lui ai dit, écoute, ma fille, tu sais qu'on n'a pas beaucoup de Torah en nous, on n'a pas du tout de moyens. Aujourd'hui, j'ai déjà 62, 63 ans. Je suis épuisé. La seule valeur que j'ai au monde, c'est toi. Et moi, je te demande de ne pas accepter l'aide de quiconque. Je préfère ne rien manger que de vivre aux dépens des autres. Je veux montrer à Dieu que j'ai du pitachon en lui et que si on ne demande rien à personne, il peut toujours agir quand il le veut. Il est Dieu. Pourquoi tu es parti demander de l'aide? Pourquoi tu m'as pas obéi? Et à la femme de répondre en prenant les mains de son mari, Rabbi Shabtai, elle lui a dit, mais mon mari, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit. Nous n'avons reçu l'aide de personne. Je veux dire, comment t'as eu... Comment on tape de roi alors qu'on n'avait rien? Il lui a dit tout simplement, parce que dès que tu es parti, je me suis dit, Chochmat Nashim Ban Tabeta, la sagesse d'une femme peut construire une maison. Dieu ne met jamais à l'épreuve si on ne peut pas trouver une solution. Il y a toujours une solution. Alors je suis monté dans ma chambre et j'ai regardé tous mes fringues. J'ai trouvé qu'il n'y avait rien. Et en ouvrant une petite valise très très ancienne en carton, j'ai découvert ma robe. Une robe que quand j'étais jeune fille qui était avec des brodures en argent, j'ai couru vers le bijoutier qui m'a donné une somme d'argent conséquente avec lequel j'ai tout acheté 2 heures avant l'entrée de Shabbat. Et tout ce que tu manges, c'est à nous, c'est de nous. Car HaKadosh Baruch Hu nous a fait ce miracle incommensurable. Quand il a entendu ça, Rabbi Shabtai, ce Motzé Shabbat, juste avant que n'arrive le Baal Shem Tov avec ses élèves, il s'est levé et a dansé avec sa femme. Comme il l'avait fait entre chaque repas, j'ai oublié de vous dire qu'entre chaque, le poisson, la viande,
pendant ce Shabbat pour calmer sa colère. Il s'est mis à danser. Et il s'est mis à danser avec sa femme à un tel point que tous les anges du monde d'en haut sont venus descendre danser pendant le Shabbat. Les Ashkenazim et les Chassidim dansent pendant le Shabbat. Nous, les Sfaradim, c'est assourd. Mais eux, ils dansent. Et c'est moutard la même selon la halakha. Et les anges d'en haut sont descendus danser avec eux dans le monde d'en bas. Le Baal Shem Tov a dit, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai rigolé? Parce que tout ce qu'il vient maintenant de vous raconter, c'est ce que je voyais à 1000 km, à Medjibouj, quand nous étions chez nous. J'étais en train de voir les anges qui dansaient au-dessus de lui, le mérite qu'il a eu de travailler ses midot et d'avoir tellement confiance en Dieu. De voir le mérite de sa femme qui a fait la volonté de son mari et de qui plus a trouvé une solution et le Kiddush Hashem qui en est ressorti. Vous avez compris? Les élèves ont baissé la tête, ont dit maintenant on comprend pourquoi le Rav rit. À ce moment-là, Baruch Hashem, le Baal Shem Tov lui a dit, sache une chose, tu as acquis un mérite dans le ciel tellement important que je te propose deux choses. Ou je te bénis d'une longue vie où tu ne manqueras jamais de rien, tu vivras dans l'opulence jusqu'à la fin de ta vie. Ou alors peut-être que toi qui n'as jamais eu d'enfant avec ton épouse et qui ne t'es jamais plaint de rien, tu mérites peut-être d'avoir un enfant. Alors choisis. À ce moment-là, Rabbi Shabtai et son épouse lui disent « Voda Rav, c'est vrai qu'on est très âgés. » Lui avait déjà 62, 63, elle avait déjà 53 ans, 52 ans. Mais on veut bien un enfant. À quoi nous servirait d'être bien et heureux sur terre si on n'avait pas un enfant pour lequel on pourrait faire hériter toute notre émouna, notre bitachon, lui apprendre l'amour de la vie et de, que dans la vie, il ne faut pas se plaindre, il faut trouver des solutions. Alors le Baal Shem Tov les a bénis. Et là maintenant, je vous lis dans le livre la réponse. D'avoir une ifla. Il y a marqué comme ça. Hein. Oh. La bénédiction du Baal Shem Tov se réalisa, car 9 mois plus tard, comme il lui avait promis, « Ka'avor shana zachu zug azekenim » Ce vieux couple ont eu enfin le mérite de mettre au monde à Meusharim les Tinok, un enfant. Et comme leur avait demandé le Baal Shem Tov, quand viendra votre enfant dans 9 mois, vous lui donnerez mon nom et vous l'appellerez Israël. Ki hu ye gadol batora ou bechol Israël. Et là, il y a marqué, Alohu mihu. Qui est sorti de cet énorme mérite d'avoir travaillé sa colère? Qui est sorti, d'après vous, de ce mérite incroyable, incroyable, de ne jamais se plaindre? Katuv basfarim kedoshim shelanu, halohu amagid mikoznitz, Rabbi Israël Mikoznitz, une des plus grandes lumières de la chassidut, miyased chassidut ve'emuna, qui a fait des milliers et des milliers d'élèves dans le monde et qui a laissé des écrits impressionnants sur les explications de la Torah écrite et orale. Hamagid mikoznitz zecher tzadik v'kadosh ivracha. Kach nolad mi Rabbi Shaibta v'rayato. Pour le mérite d'avoir été tout simplement conscient, comme il a fait, il s'est travaillé, il a dit « Oh, c'est Shabbat, je vais me mettre en colère. Pourtant, j'ai raison de me mettre en colère, mais c'est Shabbat. Je ne me mettrai pas en colère, je vais donner de l'ambiance positive, je vais donner de la joie à ma femme. » Et on parlera de ça plus tard, beaucoup plus calmement. Bassof yatsanes gadol, c'est qu'ils ont une table de roi. De là, le Baal Shem Tov a répondu pour finir. Avoter Bashem, Chesed Yesovenehu. Tout celui qui a du bitachon en Dieu, tout celui vraiment qui n'a aucun doute que Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il donne, c'est ce qu'il y a de mieux. Il n'y a pas besoin de se plaindre, il n'y a pas besoin de se mettre en colère. Il y a juste tout simplement avoir confiance. Baruch Agever Asheriftah Bashem. Heureux l'homme qui a une totale confiance en Dieu. Et voilà le résultat. Non seulement ils se sont enrichis, ils ont passé un très bon Shabbat, ils ont pris la bracha du tzaddik pour la matérialité, et ils ont eu un diamant qui est encore en 2021 fait parler de lui. Rabbi Israël Mikoznitz, Zecher Tzaddik Vekadosh Livracha. Je n'ai qu'à les Yishuot Venechamot et d'apprendre de toutes ces belles histoires du Baal Shem Tov, hormis ce qu'elles peuvent nous apporter, que leurs expériences doivent nous servir aussi dans notre génération. D'apprendre à moins se plaindre et d'apprendre Be'ezrat Hashem à plus compter sur Dieu que sur les hommes. Shavua Tov ou Leitraot.